Alors, au niveau pratique, d'abord, ce sont des séances où on ne perd pas conscience, au contraire, on est dans un état d'éveil, un peu particulier. À aucun moment, le patient, on ne fait pas une hypnose de musical ou de cabaret, on fait ce qu'on appelle une méthode ericksonienne, où il y a une présence très forte du conscient. C'est une méthode qui, au contraire, joue sur le côté présence, veille, éveil, mais c'est un éveil différent, c'est une attention amplifié, magnifié, qui fait qu'effectivement on va puiser au fond de soi des ressources que l'on ne s'attendait pas. C'est un accompagnement vers des ouvertures nouvelles. Donc il ne faut pas s'inquiéter, est-ce que je vais perdre connaissance, est-ce que je vais tomber, est-ce que je vais faire des choses que je ne veux pas faire. Non, tout ça est absurde, mais compréhensible. On est plus dans la progression que dans la performance. On essaie de trouver donc le passage. Le patient essaie de trouver le passage, le soignant, le médecin joue un rôle de catalyseur, en tout cas d'entraîneur, pour réussir cette transformation, en tout cas cette modification vers un changement.